commence la journée tranquille sur du chemin bien roulant, histoire de se chauffer un peu. Bon, c'est Gaël devant, et ce gars n'a vraiment pas le temps. Il va falloir que ça chauffe vite. Allez, on se lève, on plie les jambes, et on attaque. Ce que vous en pensez, mais je trouve ces chemins vraiment magnifiques. Pour le moment, aucune difficulté. On profite de la balade sur nos bécanes. C'est aussi ça le off-road. J'ai peut-être parlé un peu vite, voilà de quoi relever le niveau. La trace passe entre deux champs et l'herbe cache des ornières. Je suis déjà tombé deux fois à cause d'ornières, je n'aime vraiment pas ça. Le pire, c'est que quand on n'est pas à l'aise, on ralentit instinctivement, et c'est là qu'on chute, justement. Ah, qu'est-ce que je disais ? Allez, je vais pas me moquer, j'en ai fait des ridicules aussi. Gaël et sa bécane vont bien, rien de cassé. Décidément, on ne pensait pas tomber autant en off-road. Quand on regarde des gars comme Galore, Black Market, Tom Barrère ou le grand Laurent Cochet, et j'en passe. Ouais ok, ils tombent, mais ils ont voix fort aussi. On pensait naïvement qu'en y allant plus mollo, on tomberait pas gros. Et tu sais quoi? On y prend goût. Franchement, on commence à aimer chuter, on se croirait dans un jeu vidéo où chaque chute nous apporte de l'expérience. Chaque chute nous rend plus souples sur la moto. Depuis nos chutes sur les ornières, clairement aujourd'hui on ne les appréhende plus pareil. On s'en sort beaucoup mieux, on y va mollo mais on garde la vitesse. On a bien appris. Pourquoi fait-on ça? Pourquoi la moto? Pourquoi aller dans les chemins? Des fois s'amuser, des fois galérer. Oh, et puis il n'y a pas que les chemins, on passe du temps sur la route aussi. Ah, des routes sublimes, on en a parcouru. Je sais pourquoi. La passion de la moto est une des réponses. On aime cette machine, c'est fou. Celle-là est géniale, la V85 TT. C'est clairement notre préférée, autant à Gaël qu'à moi. Mais en vrai, on les a toutes aimées. Du 125 cm3 quand on était jeune, au gros cube qui faisait rêver. Pour nous, ça aurait été la ZRX et la XGR. Ça oui, la passion de la moto est une bonne réponse. Mais pour ma part, ce n'est qu'une partie de la réponse. La vérité, c'est que je kiffe retrouver mon pote pour aller faire le con dans la terre. Et puis ce qui est bien avec Gaël, c'est qu'il a beau habiter à 40 minutes de chez moi, si je l'appelle pour aller faire un tour et boire une bière, il est là en 5 minutes, peu importe le temps, toujours prêt à en découdre avec les éléments. Plus sérieusement, on n'a pas le même rythme, pas la même expérience sur tel ou tel sujet, mais c'est pas grave, on se respecte et on se pousse l'un l'autre à nous améliorer. Je vous souhaite à tous d'avoir un pote comme ça. Choices.
Après nous être bien amusés, retournons à l'exploration. On se rend compte en roulant qu'on est plus à l'aise sur les chemins que ce matin. Et ça n'a plus rien à voir avec le début de l'offrodage. Notre cadence a augmenté et on n'hésite plus à foutre des petits coups de gaz pour s'amuser. Décidément, on est gâté avec cette trace. De chemin sublimement somptueux, on s'enfonce de plus en plus dans la forêt. Quelle vue! Nous sommes tombés sur un camp de chasseurs avec une haute tour d'observation. Le coin était sympa, on a pu faire quelques photos, et on en a profité pour faire une petite pause. Allez, c'est reparti! Une journée super, on s'en rappellera. La fin du parcours est assez épique, la trace s'efface complètement et on n'est plus sûr du tout d'aller au bon endroit. Pour l'anecdote, on a fait 3 fois le tour avant de comprendre qu'il fallait s'enfoncer dans la pampa. Ça veut dire 3 fois plus de chemin, donc ça va. Ce passage marque la fin de notre journée off-road. On sent arriver la fin des sessions d'off-roadage, qu'en pensez-vous ? Rendez-vous au prochain et dernier épisode. D'ici là, prenez soin de vos bécanes et de vos proches. Et en route pour la prochaine. Trouble now. Sometimes I just wanna tell you to stop. So.